Et on va terminer notre séance en relâchant les jambes, en tendant les bras vers l'arrière. Prenez une grande inspiration et soufflez. Ramenez les bras le long du corps. Si vous voulez, vous pouvez les poser sur le ventre ou sur les basses côtes. Et ici, on va simplement inspirer avec son nez, toujours de faire rentrer l'air dans le thorax puis dans le ventre. Faites gonfler ce ventre. Et on expire tout doucement, en vidant tout l'air et en allant chercher en profondeur la contraction de notre transverse et notre périnée ici. En oubliant notre position neutre, simplement focalisez-vous sur vos muscles profonds à l'expiration. Et encore, tu te remplis l'air. Très très long, gonfle le ventre, gonfle la poitrine et expire. Tu vis tout doucement, tu resserres. Et tu fais ça trois fois et ensuite reprends le rythme de ta respiration. Et c'est fini pour aujourd'hui. Avec le souffle des bassins. Donc, paume de main face à face, paume de doigt direction des pieds. Soit on a toujours les pieds ouverts sur le hanche, soit tu viens prendre l'option pieds collés. On est en bas, quatre temps. J'inspire. J'expire, je viens repousser sur mes pieds. J'expire, transverse les nez, mes mains montent en même temps que mon bassin. Je garde les bras dans le champ de vision. Et j'inspire, je viens tendre ma jambe gauche. Et expire, je fléchis ma jambe, je la replace. Et je déroule vertèbre après vertèbre en replaçant mon neutre. Et je suis en bas, j'inspire. Expire, je remonte. Inspire, je décolle en gardant toujours le bassin bien aligné, les fesses bien contractées. Et expire, je fléchis ma jambe et je déroule vertèbre après vertèbre et je replace mon autre. 10 répétitions avec votre jambe droite, puis la même chose avec la jambe gauche. On se retrouve sur le dos en position neutre. Ici, tu te recales. Tu as les pieds ouverture de hanche, les pieds bien parallèles. On aligne bien ses épaules, on relâche le haut du corps et puis la tête dans le prolongement de la colonne. Pour installer sa position neutre, on utilise les paumes de main qu'on vient mettre sur les crêtes des hanches, le point du doigt sur le pubis. Ça forme notre triangle. Ce triangle doit être à plat. Pas de pointe de doigt vers le haut ni vers le bas. Ici, ajuste ton bassin. C'est normal s'il y a un creux qui se fait selon ta courbure naturelle, tu as un creux plus ou moins important. Ici, tu vas imaginer un petit œuf qu'il ne faut pas écraser pendant toute la séance. On installe notre respiration pilates maintenant. Relâchez bien les mains. Inspirez avec le nez, respiration thoracique. Et expire en ouvrant la bouche, toujours pour faire de la buée. Ici, on pense à notre transverse, on vient bien resserrer. Et notre périnée, on vient zipper la fermeture éclair. De l'arrière jusqu'à l'avant. On fait 10 respirations comme ça, juste pour se connecter au centre et bien renforcer. Passons en chaise renversée maintenant. Tu viens décoller la jambe gauche, puis la jambe droite. Tu viens former l'angle à 90 degrés avec les genoux. Le neutre n'est toujours pas effacé. J'ai toujours mon petit œuf dans le dos que je n'ai pas écrasé. On attaque l'étape. Je commence avec la jambe gauche. J'inspire, je descends. Expire, je remonte. J'inspire, respiration thoracique. Expire, transverse, périnée. C'est facile ici d'y penser. Si c'est trop lourd et ça tire trop pour toi, la solution c'est de poser la jambe qui ne bouge pas, la laisser en position neutre et continuer l'étape. Donc on est parti pour 10 à gauche et 10 à droite. Ensuite tu relâches la pression, tu replaces les pieds et on y retourne pour une autre série. Maintenant on vient tendre nos mains pour nous donner face à face. On vient décoller légèrement les épaules et on vient bras et jambes opposés. Inspirez, expire, tu reviens, et inspire, expire, je reviens,
On est parti pour 10 à droite, 10 à gauche. Même option que tout à l'heure, si ça ne va plus, tu poses la jambe qui ne bouge pas. Et tu peux le faire pour 10. Une fois la planche terminée, on se repose en pose de l'enfant. On relâche. Relâche bien la tête, les épaules. Et puis sur une inspiration, on y retourne. On transfère le haut du corps sur l'avant. On vient rejeter les pieds dans le sol. Et on vient se remettre en planche. On est toujours bien solide. Et là, ici, vous allez venir inspirer, souffler, décoller votre jambe droite. Chercher l'alignement. On ne vient pas monter ici. On cherche juste à aligner. Et inspire, je descends. Expire, je remonte. On n'ouvre pas le bassin non plus. Gardez votre bassin bien parallèle et inspire. Expire, tu montes. On fait 10 répétitions à droite, puis 10 répétitions à gauche. Toujours en gardant les omoplates serrées et en inspirant en bruit. Une fois que tu as fait les deux, si tu as besoin entre les deux jambes, tu fais la petite pause de l'enfant pour relâcher. Et quand on a fini, on vient retransférer le poids du corps sur l'avant. On place bien nos mains sur nos épaules, nos genoux se mangent, nos jambes bien parallèles. Et ici, on va travailler la stabilité. On vient inspirer, on tend bras et jambes opposées. Ici, encore une fois, on cherche l'allongement et la stabilité. Aspirez dans votre ventre. Et ici, pour 10 répétitions, pour 10 respirations, pardon, vous restez en blocage. J'inspire et j'expire. Je suis solide et très stable. 10 répétitions d'un côté, puis 10 répétitions de l'autre. Et ensuite, on rebascule en tendant pose de l'enfant. J'inspire. Et... Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une petite routine pilates. On va commencer debout, ça va être assez dynamique. On va vraiment bien se concentrer sur le renforcement des muscles profonds. Repensez bien à votre posture et puis on va enchaîner les exercices tous ensemble avec le sourire, mais surtout la connexion avec le centre. On attaque. Je vous laisse vous placer avec les pieds sous les hanches. Gardez une légère flexion au niveau de vos genoux. Relâchez bien le haut du corps et puis on va commencer par installer notre respiration. On ferme les yeux, on s'ancre. Ok, relâchez les mains. Inspirez avec votre nez. Inspirez la respiration pilate, la respiration thoracique. Et expirez en ouvrant la bouche. Rappelez-vous, on expire comme pour faire de la buée. Profitez-en, vous êtes tout seul à la maison, vous pouvez faire du bruit, c'est maintenant qu'on travaille cette respiration. Donc j'inspire et expire, j'ouvre bien la bouche, je fais de la buée. Ici sur l'expiration, pensez à votre transverse. Je resserre cette ceinture imaginaire et je viens zipper la fermeture éclair du périnée. On se rappelle, le périnée, on contracte d'abord l'anus puis on remonte jusqu'à l'urètre. Sans bouger le bassin, sans remonter le pubis vers l'avant. Restez bien ancré et connecté. Je vous laisse vous installer dans votre respiration. Inspirez. Expirez. Et encore. Inspire. Relâchez bien vos épaules. Prochaine inspiration, les paumes de main face à face. On inspire. On monte les bras au ciel. Expire, on redescend. Toujours notre transverse, notre périnée. Et encore, inspire. Expire. Allez chercher loin l'engagement. Encore une fois, on inspire. Et expire. On s'arrête à la hauteur de poitrine des mains. Abaissez les épaules, resserrez les omoplates. Ici, vous gardez votre position, on va juste travailler le travail de la ceinture scapulaire. À l'inspiration, on va venir tirer les bras vers l'avant. Et à l'expiration, je viens resserrer les omoplates. Ici, je viens juste avancer les bras, puis reculer sans fléchir les genoux, sans rapprocher les mains. Et toujours les mains là où
pour 5 répétitions. Vous inspirez. Expire, tu viens resserrer tout en pensant au transverse et au périnée. 5 fois tu le fais et expire, tu relâches. On se replace, fléchis bien les jambes et puis on va se mettre dans la longueur de notre tapis. Pour la suite, ici, fléchissez vos jambes et on vient inspirer, on monte les bras vers le ciel et expire, on vient travailler lentement. Expire, transverse périnée. J'imagine cette barrière, je passe au-dessus, jambes dans ma colonne, je fléchis. Mes mains touchent le sol, je viens inspirer, je remonte. Et encore une fois, j'imagine ici cette barrière que je viens passer. Et je déroule. Et encore une fois, on retourne, on inspire. Et expire, tu plonges sur l'avant, tout part du coccyx. Et on descend. On libère les lombaires. Et encore une fois. On inspire, on remonte. Une dernière fois, inspirez. Expire. Et on vient plonger vraiment en arrondissant. Allez chercher ce creux au niveau du ventre. Resserrez le transverse. Et gardez les mains au sol. Fléchissez les jambes. Puis on vient activer notre planche en avançant les mains. Tu inspires. Les mains sur les épaules, les pieds bien crochés dans le sol. Soit tu as les pieds ouverture de hanche, soit tu colles les pieds. Ici, on se place et pour 5 respirations, vous restez dans l'alignement. J'inspire et expire. Resserre les omoplates, aspire le nombril, contracte les fesses, contracte les cuisses. Et inspire. Expire, tu resserres tout, posture. Ici pour 5 respirations, vous continuez cette planche. Et on va terminer notre séance en relâchant les jambes, en tendant les bras vers l'arrière. Prenez une grande inspiration et soufflez. Ramenez les bras le long du corps. Si vous voulez, vous pouvez les poser sur le ventre ou sur les basses-côtes. Et ici, on va simplement inspirer avec son nez, toujours, et faire rentrer l'air dans le thorax puis dans le ventre. Faites gonfler ce ventre. Et on expire tout doucement, en vidant tout l'air et en allant chercher en profondeur la contraction de notre transverse et notre périnée ici. En oubliant notre position neutre, simplement focalisez-vous sur vos muscles profonds à l'expiration. Et encore, tu te remplis d'air. Très très long. Gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Et expire. Tu vis tout doucement. Tu resserres. Et tu fais ça 3 fois. Et ensuite, reprends le rythme de ta respiration. Et c'est fini pour aujourd'hui. Prends le temps de te relever en fléchissant les jambes. Et puis prends le temps qu'il te faut pour revenir à la vie.